sonnette. Tous les matins, avant d'aller à la cafette, eh ben moi j'écoute l'insolite de Lionel Duchamp. Eh bien le voici, Lionel Duchamp. Il est né, le divin enfant. Vous l'attendiez depuis des mois et l'attente touche enfin à sa fin. Le plus dur est fait. Non, il faut encore lui trouver un prénom. Et quand ce sont des jumeaux, c'est encore pire. Mais de quoi parlez-vous? Eh bien, trouvez-vous un prénom original pour votre enfant? C'est la grande mode maintenant. Certains n'hésitent pas. En revanche, il existe une loi en France qui préserve les enfants d'un prénom ridicule ou qui porte préjudice. Heureusement, ainsi, en France. Bah oui, ainsi on a refusé Spatule ou Babar pour une fille, ainsi que pour les garçons. Attendez, tenez-vous bien, tenez-vous mieux. Acédic. Acédic. Voilà. En revanche, on souhaite la bienvenue à Starsky et Hutch, Soupline et Cajuline, ou encore pour ce couple de Bretons, Babor et Tribord. On sent toute la finesse de... Voilà, voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc ça risque d'être lourd à porter. Et encore, ça c'est uniquement si leurs camarades ne tombent pas sur ce petit bijou que j'ai trouvé un petit peu par hasard d'ailleurs. C'est extrait d'une comédie musicale de 2001. Ça s'appelle Tous les bateaux du monde. À bâbord ou à tribord. Et je vous mets au défi de ne pas l'avoir dans la tête juste après. À bâbord ou à tribord. Est-ce le vent qui... Je ne sais quoi en penser. Attention le couplet. Méfie-toi des requins, vulnérable petit poisson de satin. Les larmes ont un goût salin, meutés ne seront pas tous les matins. Et on repart. À bâbord ou à tribord. Alors, bâbord avec un A comme gauche, tribord avec un R comme droite, c'est comme ça que je les reconnais. En tout cas, pour les jumeaux, ça sera un peu plus dur. Hein. Oui, bon courage à ces deux enfants qui, quand ils grandiront, peut-être qu'ils seront marins, on ne sait jamais d'ailleurs. Peut-être qu'on leur chantera à bâbord ou à tribord. Ou pas, j'espère que cette chanson ne sera pas, restera dans les... En tout cas, la comédie musicale est passée un peu inaperçue. Hein. Oui, bah, je comprends pourquoi. C'est bien pour ça que je voulais en parler ce matin. Merci Lionel, rendez-vous demain pour une nouvelle info insolite. Et sur bonne journée. Merci à vous aussi.